Salut, 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 c'est Come Get Some et bienvenue sur Duke Nukem 3D World Tour 20e anniversaire. Épisode 21, retour avec Duke. Duke qui venait de sortir du paquebot, qui était toujours du cargo plutôt, et qui affrontait, et qui allait affronter plutôt le dernier niveau de l'Atomic Edition, l'acte rajouté donc lors de cette édition. Et bien l'acte de la naissance, The Birth. Et nous sommes dans le dernier niveau avec l'arène. L'arène, hein, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est le dernier niveau, c'est le boss final. Et je peux vous assurer que ça va chier. C'est un niveau que je déteste pour plusieurs raisons. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors la première des choses, c'est que on n'a pas grand chose qui nous reste. Vous voyez, on n'est pas. C'est pas la folie furieuse. Très bien, c'est de pouvoir se récupérer rapidement du stuff. Rapidement du stuff. Rapidement du stuff, j'ai dit. Parce qu'on va vite être emmerdé. Y a du monde. Hail to the king, baby. Alors la carte jaune, c'est derrière nous. Putain, par contre c'est cool, il chute des grenades. On va essayer de perdre le moins de vie possible. Salaud, va. Salaud. Il va falloir économiser en plus, hein. Il va falloir économiser grave. Oh là là, j'entends ces saloperies là. Il va falloir tout économiser, la vie, les munitions. Et regardez, il nous blinde, hein. Du Devastator. Chaud quoi. C'est bien, je peux faire ça. En même temps. Ah ouais, d'accord, ok, j'ai compris. Ah, le salon. Oh, tu me le casses celui-là, hein. C'est tranquille, hein. Ah, il y a de la saloperie de l'autre côté. C'est pas grave, on va faire le ménage. On va faire le ménage. Là, j'avais tout niqué, c'est bien. Là aussi. Je suis content qu'il nous file des grenades parce que réellement on va en avoir besoin. Alors. Je crois qu'on va rester avec ça. Pour la bonne et simple raison. Que si on est au lance-roquette et qu'il y a une de ces conneries qui nous fonce dessus. Ça va être quand même très chaud. Alors, évidemment tout est fermé. On a nettoyé un petit peu. On va commencer par faire une première sauvegarde. Qui vient de s'ouvrir. Wow. Ah, salaud. Le salaud. Ah, je sais exactement ce qu'il y a derrière. Ça tombe bien. Ça mérite pas mieux que
ça, autant économiser les munitions. Hein. De toute façon. Alors. On a libéré ça déjà. Très bien. Je crois qu'on va mettre un coup de sauvegarde derrière. Je crois que ça vaudrait le coup. Oh le bâtard. Ça loperie va. Regarde-moi comme elle nous attendait celle-là. Oh là là, et regardez tout ce qui file. Franchement, c'est pas de refus, on va en avoir besoin. C'est vraiment pas de refus. On va laisser le... Comment on appelle ça là? Les bouteilles, parce qu'on en a déjà. On récupérera vraiment si on en a besoin. Enfin, avant le boss final, pour le coup. Ok, voilà. Aïe, 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 celle-là, je l'ai prise. Je l'ai prise pleine face. Ok, j'aime pas ça. Écoutez, on va se les détruire comme ça. Hein. Au moins, ça économise la mune. Wow. Chaud. Ok, on y retourne. Putain, je déteste ces saloperies. Hein. Tiens, il y a encore une pieuvre là, non? Ok, là ça va devenir chaud. Donc, on a absolument plus de munitions. De. Voilà, de. Aïe, 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 aïe. Oh, tiens. On a encore un peu de ça. Mais on a plus du tout. Putain, on a plus rien, on a que dalle! On peut pas y aller au lance-roquettes quand même! Si? C'est risqué là quand même, non? C'est quand même risqué quoi. Voilà, bon, ça au moins c'est fait. Putain, il faut de la mune là, il faut de la mune. Hein. Je peux rien faire sans munitions là, c'est mort. C'est mort de chez mort, je peux rien faire sans munitions. Là. Bon, il va falloir que je trouve le moyen de récupérer de la munition quelque part, parce que sans ça... Enfin, je veux dire, on peut rien faire quoi. Alors de la vie, il y en a là, mais alors de la munition... J'en ai pas vu quoi. Enfin, il y en a plus en fait. Ah si, 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 il y a ça au milieu. On fera avec, hein. On fera avec. Ah d'accord, on est là. Oh, d'où ils sortent? Mon dieu. De la vie. C'est hardcore, ce niveau est vraiment hardcore. Il a lâché de la vie, il y en a un qui a lâché de la vie. Pas de la vie, voilà, de ça. J'ai l'impression que là c'est bon. Ah putain, ouais, je suis pas contre. Ok, est-ce qu'il y a un truc à activer ?
mon avis, il faut descendre là-dedans, là. J'ai envie de vous dire... petite sauvegarde. Et ça a l'air d'être bon. Mon cul, c'est bon, ouais. Voilà. D'accord, ok. Ok, bon, ça c'est déverrouillé, c'est bien. On a récupéré un peu de munitions. Je suis pas mécontent là. Là, je suis pas mécontent. On y retourne. Est-ce que c'était de ce côté là ou pas? Ouais, c'est de ce côté là. Ah, laisse tomber. Laisse tomber. C'est bon. Ouh. Tiens. Ah, quoi les... On va récupérer ça. Pour le principe. Ok. On est bon, on a la carte bleue. Ce côté-là, ça a l'air d'être à peu près bon. Prévenir. Non mais sérieusement. Ok, ça va le faire. La carte bleue. Très bien. Sauvegardons, c'est pas si mal. C'est pas si mal. D'accord, on vient d'ouvrir. Très bien, ok. Bon, ça c'est fait. Super. Alors. Ensuite. Il va falloir ouvrir de l'autre côté, je pense. Ça. Ok, pour ça il va falloir trouver la bonne combinaison. Okay, c'est pas ça. Attends. Il faut pouvoir ouvrir cette merde. Ah, mais c'est de l'autre côté, d'accord. Ok. Là, ça devrait être bon, je pense. Voilà, bon, il y a encore du monde qui nous attend, évidemment. Est-ce qu'on pourrait pas économiser? Est-ce qu'on pourrait pas économiser, hein? Ouh, la belle esquive, hein. C'est quoi? Ça économisera de la munition. Allez, reviens là. On va économiser la munition. Bon, même chose que de l'autre côté, visiblement. Donc, encore une fois, hein, le petit coup de sauvegarde qui va bien. Oh, le bâtard! Je m'y attendais pas du tout à ça. Ça, c'est touché.
Voilà, hein. Allez, viens là, connard. Putain, ça donne du... ça donne de la roquette, c'est très bien, ça me va. Ok. Bon là, au moins, on a fait un peu le ménage. Et, tiens. Y'a rien là? Non, y'a rien, dommage. Je me suis dit, on sait jamais, peut-être y'a un... Allez, 3% de jetpack, on va pas aller loin. Alors, maintenant qu'on a tout défoncé là... Parce qu'on n'irait pas tout défoncer derrière. Voilà, on commence comme ça. Ça a fait le boulot. J'ai envie de vous dire, ça a fait le boulot. Putain, je savais pas qu'on pouvait tout défoncer là, ça se trouve... Ok. Je crois qu'on a fait le ménage. À 9% par contre. 9%. C'est pas grave, je sais où aller en chercher de l'autre côté. Mais d'où tu sors? Ah d'accord, ils arrivent par derrière en fait. Au calme par derrière. Mais d'où tu sors? Putain, ils arrivent par derrière, mais je sais pas d'où. Ouais, ça je prends. L'autre enfoiré d'Alien a dû tomber... Il a dû tomber dans l'eau. Ouais, il y en a un à l'intérieur maintenant. Tiens. C'est jamais, hein. Oh! C'est moi qui l'ai prise. C'est quoi cette connerie? Ok, bon, on va coûter. Est-ce qu'on n'irait pas se récupérer juste un peu de vie avant ça? De bien en rester quelque part. Il traîne. Il doit y en rester, mais alors où? Tiens, il y en a un peu là. Très bien. Un petit peu là. Alors. Merde, ça c'est déjà ouvert. Si je me plante de sang, ça va pas le faire. Ok, alors il va falloir plonger encore une fois. Hein. Malheureusement. Tiens, ça je prends. Ok. Non, alors ça passera pas, c'est sûr. Putain, j'ai plus rien, j'ai que dalle! Je sais même pas si je le touche, cet enfoiré. J'ai plus rien! J'ai plus rien. Si j'ai un peu de ça. Alors j'imagine que de l'autre côté, pareil, il y a le monstre, hein. Il y a l'autre enfoiré. Voilà. Voilà, hein. Oh, d'où tu sors? Voilà.
Ok. Ça va mieux. Et la carte rouge est là. Donc j'imagine qu'il faut aller chercher la carte rouge dans l'eau. Si c'est bien ça que j'ai compris. Alors par contre... Ouais. C'est pas avec 2% qu'on va les grands... c'est pas avec 2% qu'on va aller loin, c'est pas grave. Alors c'est où? C'est où aussi? Putain, ça s'est pas ouvert. Il me semblait que... Et non, et non, et non, et non, je sais ce que j'ai oublié. Oh! Ah oui, je prends. Bien sûr. Évidemment. Ça, ça s'ouvre pas, ça. Oh! Oh, c'est beau! Ah ouais. Mais nickel. Eh ben on va aller de l'autre côté, puisque visiblement ça doit être la même chose. Hein. Voilà ce que j'ai oublié. Voilà ce que j'ai oublié. On va retourner de l'autre côté, il y a des choses à récupérer du coup. Commencer par ça. Oh là là, mais il fallait pas oublier ça. C'est bon ça. Ah, ça va mieux là, non? Ouais, bien sûr que ça va mieux. Bien sûr que ça va mieux. N'oubliez pas cet endroit. N'oubliez pas ça. C'est un conseil d'ami. Alors, maintenant qu'on n'est pas si mal, on va retourner là. Plutôt là. Alors, maintenant faut aller là-dedans. Là, alors, il faut aller là. Ces conneries. Voilà, il faut bien se mettre dans le truc blanc là. Voilà, hop. Comme ça, vous êtes sûr de pas vous faire écraser. Ok, super. On va passer par là. Ce serait bien de conserver un peu plus de... Un petit peu plus de bouteilles de plongée. Ok. Ok, c'est pas si mal. Carte jaune. Ouais, voilà, voilà, c'est ça qu'on veut. Ok, super. Super, là on est bon. Ok, je... C'est pas si mal que ça. C'est plutôt là-bas. Je pense qu'on a vraiment tout récupéré. Allez, go. Puis ça, ces conneries là. Allez. C'était chaud. Ça nous a pris toutes nos bottes. Ah là, ça y est, on y est. On y est. Ok. Bon, je ne sais pas combien de fois je vais recommencer. On va faire au moins la première. C'est parti. Ce qu'il faut, c'est conserver le plus possible. Voilà cette saloperie. Ok, alors. Maintenant, le but. Vous allez voir. Il y a un sacré paquet de connards. Si on pouvait éliminer une bonne partie de ces connards. What? Ils doivent être juste en dessous de moi, ces enfoirés. Aïe aïe, ça panique! Quoi? Qui? C'est chaud sa mère. Je peux la trouver, elle est là. Ah.
mais on fait quoi là? Ok, bon, c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Allez, nouvel essai. Ces saloperies, ils font bouclier en même temps. Ils font bouclier, hein. Touché. Putain, saloperie, va. Elle est en train de chier, non? Saloperie de reine, là. En fait, elle m'électrocute, non? Quoi? Non, 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 non. Je sais pas que je suis mort, alors c'est pas vrai. Et voilà, je l'ai eu! It's time to abort your whole friggin' species. Et voilà, ça y est! On a terminé! The Atomic Edition, l'acte 4, The Birth, la naissance, avec un des niveaux les plus difficiles du jeu à mon sens. Si vous n'avez pas les secrets, si vous n'avez pas bien géré vos munes, je peux vous assurer que c'est très très compliqué. On a réussi et vous savez quoi, j'ai même pas eu besoin de recommencer plein de fois, c'était vraiment le deuxième essai. Donc ça c'est cool, c'est plutôt cool. Écoutez, je suis très très ravi, je suis très très ravi. On va se laisser là du coup, puisque, eh bien écoutez, on a terminé cet acte 4. De la naissance. Sur le prochain épisode, on s'attaquera au dernier acte, celui qui est rajouté par cette édition, le 20e anniversaire. C'est des niveaux que je connais pas bien, du coup je les connais pas tous d'ailleurs, j'ai pas terminé moi de mon côté de les faire. Du coup ça sera pas mal de surprises, pas mal de trucs super sympas, je peux vous dire qu'on va juste voyager, voilà. En tout cas, ce sera pour le prochain épisode, merci d'avoir regardé, merci d'avoir lâché votre petit pouce bleu si vous l'avez fait. On se retrouve très très vite pour le prochain épisode, à très très vite les amis, et à ciao, bye.